Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. C'est également ce qui rend cette planète aussi dangereuse. Décidément, je peux pas en placer une. Aya ou Kadara ? Prodromos, c'est petit, mais c'est à nous. D'accord, bon c'est bon, vous avez fini, je peux dire bonjour, voilà, allez, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Nous sommes sur la planète H quelque chose 40 machin C, un truc dans le genre. Et nous allons aller tuer des exilés dans ce troisième dôme pour aller récupérer enfin la dernière partie du code d'accès du deuxième dôme qu'on était allé visiter. Donc le cratère de Vespasien et merde. J'ai fait un jump un petit peu trop, on va dire, un petit peu trop enthousiaste. Avec le nomade pionnier. Oui, on sait. Boum. Allez, affrontons-les. Alors, est-ce qu'ils ont une grosse bestiole ici aussi, comme la dernière coup, ou pas? Hello. J'ai un taux de régène de mes pouvoirs qui est quand même foutrement abusé, faut le dire. Alors toi là-bas, t'es en train de me tirer dessus. Boum ! Dans ta face ! Je crois que c'est bon là, non ? Eh bien allons-y. Un minéral inconnu a été détecté. Ah et en plus un minéral inconnu, nickel. Bien, mais il y a quand même pas mal de loot par ici. Hein. Voyons voir. Je viens aux nouvelles, comme convenu. J'ai trouvé un site riche en hélium 3 ici. Je pense qu'on peut l'extraire pendant une semaine au moins. Craig pourra peut-être même terminer le premier. N'hésitez pas à emporter ce qu'on a à la base. Le code d'accès est gna 7 quelque chose. On a tout le code maintenant. C'est un peu débile de laisser les codes d'accès comme ça. J'ai le code complet, pionnière. J'ajoute la base des exilés à votre système. Cool. Profil connecté, Caitlin Perrot, équipe de récup 13, les Bourlingueurs. J'ai eu tort sur toute la ligne et dire que j'ai failli tuer Baxter. J'aurais condamné toute l'équipe, tous ces soldats et vaisseaux cartes qu'on n'arrête pas de croiser. Ils suivaient le signal qu'on a utilisé pour trouver les casiers de l'Arche Galarienne. Notre équipement et nos balises n'étaient ni plus ni moins qu'un phare pour eux. Baxter a pris le fusil de Marcus et a fait sauter l'émetteur récepteur au moment même où un énorme vaisseau carte est apparu juste au-dessus de nous. Je lui ai tiré dans la jambe avant de me rendre compte qu'il venait de nous sauver la vie à tous. Une fois à l'abri, Marcus a mis la jambe de Baxter dans une attelle et je lui ai présenté mes plus pâles excuses, ainsi qu'un contrat. Je crois qu'il a dit merci. Je vais lui coudre son badge de Bourlingueur moi-même, c'est le moins que je puisse faire. On va se contenter d'utiliser l'équipement de Baxter pour l'instant. L'initiative aura plus de mal à nous retrouver, les cartes aussi. On va s'en sortir, il faut juste qu'on se serre les coudes. Le casier contient les effets personnels. Il est enregistré sur le Parseron. Le Parseron ? Ça vient de l'Arche Galarienne. L'Arche Galarienne ? Alors ils sont ici. On dirait qu'une équipe de récupération traque ces casiers. Ce qui veut dire qu'il y en a d'autres. Les Galariens sont là quelque part. Donc les Galariens... Galariens, c'était une des arches qu'on cherchait, hein, tout simplement. Alors, il me semble qu'il y avait un minéré à scanner. Peut-être j'aimerais le faire du coup dans la foulée plutôt que de le rater. Donc il est planqué là-bas. C'est bien ça, il est par là, non? Où est-ce qu'il est? Non, c'est pas ça. Il paraît qu'il est... Non, ça doit être ce petit truc là-bas, non? Il dépasse? Yes. Ok, on est à 9 sur 16. Du coup... On pourrait se faire un petit voyage rapide là pour aller faire celle-là, au passage. Est-ce que le voyage rapide va me mettre directement dans le tempête, j'espère? Qu'est-ce que c'est? Jal avait besoin de soudure, donc il m'en a échangé contre cette lotion maison. Je ne me suis jamais sentie aussi douce. On va éviter de se tuer en faisant des bons n'importe comment. Voilà.
Ah, il me semble qu'il y a une station avancée que j'ai pas activée aussi par ici. Oh merde. On dirait qu'on peut entrer avec le nomade. Ah merde. Et pour ça, il faut savoir viser encore. Bon allez, ça ira. Complètement en travers. Bon, normalement, il n'y a plus d'ennemis par ici. Donc, je vais juste aller récupérer ça vite fait. Eh bien, allons répertorier tout ça. Je pense que c'est ce truc-là. Voilà, parfait. Allez, let's go. Alors, je voudrais juste sortir ici et pas utiliser le voyage rapide parce que, comme je disais, je crois qu'il y a une autre... station avancée. Voilà, celle-là. On va aller la débloquer. Nous y voilà. Ah, enfin, en fait, à la base, j'étais censé par là. J'étais censé passer par là, en fait. Donc, du coup, alors attendez, je vais attendre quand même qu'elle ait fini d'atterrir, juste dans le doute. Puis comme ça, on va voir si on a. Si on a un peu de minerai qu'on peut scanner peut-être dans le coin. Ont été ajoutés à votre système de navigation, pionnière. Bon, a priori, il n'y en a pas directement sous mes pattes. Donc, on va faire un voyage direct juste là-bas. Et puis, on va aller activer ce truc-là, quoi. On va aller poursuivre notre quête. Bon. Des ressources dans cette zone. Du coup, c'est tout droit. Des minéraux via votre interface. Oh, oui. 74 de silicium, pas mal. Qu'est-ce que Sid pense de tout ça? Il n'y a pas beaucoup de mineurs qui sont sortis de stase. Elle se comporte comme si tout allait bien. Elle est toujours optimiste. Mais pas stupide. Ah ça non, pas du tout. Vous avez dit que les dégâts subis par son système de stase l'ont réveillée plus tôt que prévu. Oh yeah. À quel moment? Elle a assisté à tout. La révolte. L'autorité passant d'une main à l'autre plusieurs fois. Honnêtement, Cora, parfois je me demande si elle ne tient pas le coup pour que moi, je ne laisse pas tomber. Ah, c'est la première fois qu'on prend Vetra et Cora ensemble. J'aime bien quand... C'est sympa de les entendre se parler. Non, je ne sais pas faire les créneaux, c'est bon, hein. Ça suffit les reproches maintenant. Bon, faut dire que je n'ai jamais conduit de voiture dans une gravité faible comme sur cette planète. C'est pour ça. Et je pense que vous non plus d'ailleurs. Allez, allons-y. Le code sur la porte du secondo. C'est parti. Donc apparemment, ça c'est leur quartier général. Ça a marché. Qu'est-ce que c'est? C'est un Krogan ça. Ah bah c'est le fameux Krex. Lui par contre j'ai pas trop envie qu'il vienne devant moi au corps à corps honnêtement. Il est assez solide le monsieur quand même. Bon après faut dire que mon truc d'incinération ça marche bien contre les gens qui ont de l'armure. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Wow! Oh! Ah putain, encore un niveau! Mais je me demande toujours ce qu'il fabriquait. Je détecte un registre audio à proximité, pionnière. Il pourrait répondre à vos questions. Une dérivation des eaux, c'est quoi ça? Hop là, il y a un petit conteneur par ici. Bon alors, nous avons une navette. Une jolie navette. C'est une navette en garage ça en plus, non? Il me semble, hein.
Alors, qu'avons-nous ici? Capteur de dérive du fléau. Je ne veux pas d'excuses, Krex. La poussière de la surface ne suffit pas. Pour me débarrasser de ces colonies de l'initiative, il va me falloir beaucoup plus d'hélium 3. Le laboureur reliquat du conservatoire fonctionnera, j'en suis sûr. Mettez-le en marche. Terminé. Ils voulaient attaquer les colonies. Mais on dirait qu'ils n'ont pas réussi à activer une sorte de laboureur reliquat. Sam ? Un laboureur reliquat exposerait une plus grande quantité de terre aux radiations et augmenterait la production d'hélium 3 de façon exponentielle. Si mes calculs sont exacts, cette planète pourrait alimenter les vaisseaux du Nexus pendant 368 ans. Waouh ! Ah ouais ! Nos réserves de la Voie lactée finiront par s'épuiser un jour. Maintenant, on a un plan B. Il faut qu'on active ce laboureur. Je vous ai indiqué l'emplacement du conservatoire reliquat. Si Elora avait extrait assez d'hélium 3 pour bombarder les colonies... Je vous conseille d'éviter les hypothèses, pionnière. J'ai alerté le Nexus de la situation. Des patrouilles vont être postées sur toute la planète pour garantir que l'hélium 3 reste sous votre contrôle. J'aurais quand même deux mots à dire à cette Elora si je la croise un jour. Intéressant ce truc. Merci d'avoir sollicité mon aide. Ce sera difficile étant donné que H047C est quasiment un champ d'astéroïdes. Mais si un équipage peut se frayer un chemin dans ce chantier, c'est bien le mien. Je vous trouverai tout ce qu'il vous faut. Vous comprendrez bien sûr que je dois doubler mes tarifs étant donné le risque encouru. Cela dit, je vous promets que dans 2 semaines, vous vous baladerez avec un nouveau joujou. J'espère que vous en ferez bon usage. Salut, gamin! Je sais que tu vas m'engueuler parce que je t'écris. Je sais peut-être m'attirer des ennuis, ouais, mais je m'en fous. Morda peut aller se faire foutre. Tu devrais voir la colonie, Krex. On s'en sort pas mal. Une bonne protection, un super accord passé avec l'Angara qui est aux commandes, et même des scientifiques qui travaillent sur l'agriculture. Ça te plairait. Vaughn demande de tes nouvelles, des fois. Il dit que si tu voulais revenir, il y aurait une place pour toi dans son labo. C'est forcément mieux que ce que tu es en train de faire là-bas. Réfléchis-y, d'accord? Il faut faire quelque chose. Pour être honnête, je ne la porte pas non plus dans mon cœur, mais si ce n'est pas elle, qui on suit? Sloane qui s'en met plein les poches? Ce bouffon de charlatan qu'on n'a jamais vu? Je préfère encore une gamine un peu trop ambitieuse. Fais profil bas et obéis à ses ordres. On trouvera un moyen de piper les dés à notre avantage. Et on prendra les commandes avant qu'il soit trop tard et que le Nexus vienne nous massacrer. Ah bah ça c'est fait. Ah, le massacrage du Nexus, il est fait. Bon, donc j'ai fait le rez-de-chaussée, j'ai fait le premier étage. J'ai pas fait ça par contre. Un niveleur, d'accord. Donc trouvons le conservateur. Wow, ah, du titane. On va se faire le plein de titane. Bon, après, c'est pas non plus un coup de 4 ou 5 à chaque fois, c'est pas non plus la panacée, quoi. Bon. Alors, où est ce truc reliquat, là? Je me demande où est le truc reliquat. J'aime bien ce truc biotique qu'on a pris, là, le profil explorateur. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que j'ajoute des points de biotique pour pouvoir améliorer ce profil, justement. Alors, il faut qu'on aille ici et on doit trouver la... Ah, voilà, d'accord. Ça, c'est la mission de loyauté de Vetra. Ok. Donc, on va se faire un petit voyage rapide jusqu'ici. On va d'abord faire le reliquat et ensuite, on ira faire le truc de loyauté. Vous n'allez pas me dénoncer pour avoir fait des affaires sur Kadara, si? Des affaires, Vetra? Vous n'êtes pas resté travailler sur le vaisseau pendant tout ce temps? Vous êtes quelqu'un de bien, Harper. Bon alors... On va traverser le pont, je pense. C'est flippant. Oh oui. Ah merde. N'importe quoi. Donc ça a l'air d'être sur la droite. Allons-y, hein. Hop là. Ok, donc on a un autre dôme par ici. Ah, je m'attendais pas à tomber sur encore un autre dôme. Enfin, en même temps, d'un autre côté, si on doit se battre, il n'y a que dans un dôme qu'on peut le faire. Vous allez me dire, vu que... Waouh ! Ah oui ! Ah oui, effectivement, j'ai bien fait d'appuyer sur la petite barre d'espace. Aïe, hop là. Le cratère de Santiago. Ouais. Donc il y a un truc reliquat là-dedans, apparemment. Allez, on va essayer de se garer proprement pour une fois. Ah, ça va, c'était à peu près dans l'axe. Bon alors, qu'est-ce... Oh, mais ça je connais. C'est un caveau.
En même temps, trouver un truc reliquat, c'était un peu logique qu'il y ait un caveau. On va voir, est-ce qu'il y a quand même des choses à scanner? Peut-être, non, même pas. Donc du coup, les reliquats ont construit des choses sur une espèce d'astéroïde. C'est intéressant. Sam, comment est-ce qu'on fait marcher ce laboureur? Je détecte une console un peu plus loin. Wow, merde. Un observateur. On pourrait le faire passer dans notre camp. C'est quand même bien mieux quand ils sont dans notre camp. Ah oui, j'en ai pris le contrôle de lui là. Mais vous pouvez lui confier des tâches simples à l'aide de votre scanner. Ah d'accord. Alors j'ai une deuxième console ici, mais a priori... Non ouais, apparemment vu que j'en ai déjà activé une, je pourrais pas en activer deux. Bon du coup, monsieur le... Tiens, une dépouille. Ah bah oui, c'est celui qu'on vient de tuer. Oui, comment que cela marche? Ennemi en approche. D'accord. Et là, du coup, je reprends le contrôle. D'accord. On les a tous eus. Donc ça, ça me fait prendre le contrôle du monsieur. Ah bah voilà. Ça... Ah putain. Voilà. Merci. Sympa ce système. Oh, il y a du monde par ici. Des reliquats. On peut la jouer discrète ou les affronter. Les voilà. Pourquoi la jouer discrète, sérieux? Ça sert à quoi? Restez sur vos gardes, il y en aura d'autres. Sérieusement, ça sert à quoi la jouer discrète? Bon alors, je vous parie que ces espèces de boucliers, ça va me faire mal quand je vais rentrer dedans. Ah non, même pas. Voilà qui est original. Ok, alors qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Hop là, bonjour. Un fracasseur, c'est nouveau ça? Non? C'est moi qui rêve? Je ne sais pas si nouveau que ça finalement. Aïe. Oh putain. Voilà. Faites pas chier. C'est moi qui décide. Bien visé. On en a un autre? Non. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? Ok, ça doit être contrôlé par un observateur. Alors sachant que l'autre observateur, je pense qu'il faut que j'en active un autre, je vous parie. Donc ça, c'est bon. Il est sous notre contrôle, mais je vous parie que de l'autre côté, non, ça a l'air bon. Donc du coup, il faut que je lui dise d'activer cette console-là. Allez. Voilà, merci. Qui devrait activer quelque chose sur la droite là-bas, non? Si je ne m'abuse. On a une console ici, on va voir. Putain, mais c'est immense.
Ça m'a l'air tout à fait immense par ici, honnêtement. Allez, au travail. Ok, ça a l'air de suivre du coup par là-bas. S'il y avait quoi une... Ah bah oui, effectivement. Il doit bien y avoir un moyen d'y accéder. On va finir par trouver. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Eh bien on se calme un peu là. C'est quoi ce boucan que tu me fais toi? Donc là aussi on a une espèce de porte. Là on a aucun pont. Déjà on va aller se scanner ça. Ça je vous parie que c'est voilà des données de scannage. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Viens voir. Si on passait par ici. D'accord, on s'est avancé par rapport à la zone. D'accord. Est-ce que ça va s'ouvrir ça? Oui. Aïe. Il y en a d'autres? Petit, petit, petit. Ouais. Je crois que c'est bon. C'est bon là? Voilà. Bon alors, viens voir en termes de... truc d'accès, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il est encore là mon... Rika ou pas? Je crois pas que ce soit fini. Fuck. Il a disparu, on dirait. Alors là, j'ai une console là. D'accord, ça nous ouvre bel et bien l'accès par ici. Je m'y attendais pas. Ennemi droit devant. Cette arme a fait un gros paquet de dégâts sur les reliquats quand même. Qu'est-ce qu'il fait là-haut lui? Non mais... C'était le dernier. Putain, il y en avait un paquet là. Qu'est-ce que j'ai à scanner par ici? J'ai vu un truc de scan pas loin. J'ai dû rêver. Ok, là c'est juste des munitions. Bon. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Alors par ici on a rien, mais là-bas on a une console qui devrait nous permettre peut-être de prendre le contrôle d'un reliquat. Ça semble être le cas. Oui, c'est le cas. Et du coup, alors attendez, j'ai des dépouilles d'ailleurs moi à looter, à récupérer. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça a pas l'air d'être par là. Je crois qu'il fallait que je revienne en arrière, non? C'est pas ça. Déjà on avait celle-ci. Voilà, pour que celle-ci s'ouvre, d'accord. Et là, du coup, j'avais... Voilà, celle. Allez, au boulot. Ok, donc ça nous a ouvert les deux, on dirait. Juste un conteneur. Bon ok, donc du coup, si je repars de ce côté, est-ce que ça m'aurait ouvert quelque chose? Est-ce que ça m'aurait activé un truc qui n'était pas activé avant? A priori non, hein. Alors je suis pas allé voir par là. Ah mais oui, on a une console là. Attention, on a du lourd en approche.
Ah oui. Ça faisait longtemps, tiens. Essayer de rester un peu concentré quand même. Là. Putain, j'ai l'impression que je fais pas de dégâts, c'est un truc de fou. Ça va, on attaque l'armure maintenant. Putain, mais c'est du lourd ce truc, hein. Je sais même pas combien il a de têtes de mort là, mais il en a beaucoup. Voilà, un petit combo enflammé. Voilà. Kaboum! J'adore cette équipe! Je suis d'accord avec toi. Par contre, je le sens pas trop ce caveau, moi. Je pense que quand on va l'activer, il va nous arriver des joyeusetés encore. Hein. Il va nous falloir un observateur pour ah ça. Merde, mon observateur il est mort. Allez, je vais en récupérer un autre du coup. Oui, ça, comme je m'en doutais, ça fait mal ça. Viens voir. Ah bah, c'est celui-là mon observateur. Non ? Il a l'air bugué, je vais le débugger vite fait. Bon, tu me suis ou pas? Il a l'air de venir. Allez au travail. C'est juste du loot, mais on a quand même un glyphe, deux glyphes, trois glyphes. Intéressant, c'est des blocs de données. Et par ici, on en a d'autres, des trucs comme ça? Non. Ok, alors qu'avons-nous du coup de l'autre côté? Que c'est une très bonne idée d'activer ce laboureur. Moi j'ai comme mon doute, hein, mais bon, on y va. Hein. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Apparemment j'ai les glyphes qu'il faut. Je suis fatigué déjà. ça commence bien. Bon alors les doubles barres là, elles peuvent pas être ici et elles peuvent pas être là. Donc elles peuvent être que là. Non pardon, elles peuvent être que là. Voilà. Du coup, elles peuvent être que ici. Et du coup, elles peuvent être que ici. Ensuite, l'espèce de F, il peut pas être là. Donc il est forcément là. Et du coup, il nous reste quoi comme signe? Il nous reste celui-ci. Ce qui nous fait qu'ici, il nous reste
Le E. Ce qu'il nous fait que... lui, il peut pas être là, donc il doit être là. Et ce qui veut dire que lui doit forcément être ici, je pense. Ouais, c'est obligé d'être comme ça. Ce qui fait qu'il nous reste le F dans cette case et sur cette ligne. Il nous reste le E sur cette ligne. Du coup, il nous reste bien le F ici. C'est parfait. Et du coup, il nous reste plus que le E en haut. Ça m'a l'air bon. Yeah! Vous avez vu, maintenant, je suis imbattable. Bien joué. Je crois qu'il faut qu'on se bat en courant, non? Plusieurs mécanismes s'actionnent. Le laboureur reliquat est actif. D'ici quelques années, la production d'hélium 3 va grandement augmenter. Transmets la bonne nouvelle à Tan. Ah, ça a l'air bon. Retournons à la surface. Bon, bah super. Bon, bah écoutez les amis, je vais vous laisser là pour ce nouvel épisode. Nous avons du coup activé le laboureur reliquat. J'espère que ça vous aura plu. J'ai quand même eu un peu peur, honnêtement, à la fin, que ce soit du genre, quoi, il va falloir que je refasse en marche arrière tout le labyrinthe que je viens de me taper. Je sens mal. Non, c'est bon, ça, c'était pas le cas. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous !